T'es pas gay, toi, hein? Oh bah tu le connais, hein, Georges, c'est le contraire d'un gay. Ouais, ouais, bien sûr, mais enfin, disons que ce soir, je le trouve carrément éteint, quoi, si tu veux. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un numéro de claquette? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous, vous êtes content, bon, bah c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins. Mais est-ce que quelqu'un te demande d'éclater de rire comme un crétin? On te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère. C'est quand même moins contraignant. C'est vrai que t'as jeté un gros froid pendant le repas. Hein. Oh. J'ai pas réussi à comprendre pourquoi, d'ailleurs. Et j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction mais impériale. Ah oui? Ah oui. Oui, oui, beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Hein. C'est vrai, il connaissait bien le sujet, il aurait largement pu l'enfoncer. Bien sûr, bien sûr. Et il ne l'a pas fait. Ah, ouais. Ah mais lui, c'est particulier, tu comprends? Non, lui, il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu t'enfoncer. En plus, 75% des gens sont d'accord avec lui. Et alors, quel rapport? Eh ben, c'est la majorité. Non, c'est la majorité, mon vieux, puis c'est tout, et puis voilà, hein, c'est la majorité. Voilà. Laquelle, d'abord? Laquelle? Celle qui pensait que la Terre était plate? Celle qui veut rétablir la peine de mort? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode? Laquelle, exactement?